Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur Phantom Doctrine. Alors là, je viens de voir qu'on avait le DoD américain ici. En fait, j'avais la CIA ou le DIA, je sais plus, qui était collé comme ça. J'avais pas vu. En fait, on a le DoD américain. Et donc là, on a. Voilà. D'après la conversation enregistrée, il semble que des membres du département américain de la défense soient impliqués dans l'affaire du trafic nucléaire. Alors, nouveau candidat, Samouraï, rapport d'agent, talent de recherche de l'hérisson, de l'agent hérisson, et ennemi révélé, vice. Un indépendant, d'accord, Samouraï, un espagnol. You're in Beirut? Yeah, just arrived. Look, I gotta go get something. Leslie, what the fuck just happened? Oh merde, ils pourront jamais rentrer à la base ces trois-là. Ah, mission spéciale. Je voudrais récupérer Hérisson, je sais pas où il est. Alors, rendez-vous à l'ambassade des États-Unis de Beyrouth pour savoir ce qui est devenu Leslie. Comment on fait? Bon, on va y aller avec notre agent principal, avec un pas vide, Isé. So many dead, just to kill one man. You don't mean... Operation Walter Poon, Bolt. You're looking at it. All this? Just to get Leslie? Come on! He had vital intel about the nuclear ring, and more. This only proves how important it is. Well, whatever he had, it's gone now. If I know Leslie, he planned for this. Maybe he had the intel in a false tooth. Holy shit, you think he hid intel in a false tooth? If we're lucky, we can pick it up in the morgue. No wonder you two got along. You're both clinically paranoid. Ouais. Bon. Donc, là, une grosse mission à faire, c'est ça? Okay.
Ça c'est limite, hein. C'est limite, limite, limite. Ok, comme ça on aura fait toutes les améliorations de cette base. Reconnaissance tactique à Beyrouth. Bon, on va lancer l'assaut, ouais. Alors, vérifier la salle de post-autopsie, la salle d'autopsie, la pré-autopsie, fouiller le cadavre de Leslie, évacuer après avoir accompli les objectifs principaux. Il faut qu'on chope la dent de Leslie, bien. Hard to guess where they keep Leslie's body. Search room to room. McGuire's people will be after the same thing. Yeah, we'll keep our eyes open. We're here. Keep it quiet. Avoid the cameras. Don't hurt any civilians. Unless absolutely necessary. Ok, il y a pas mal de gardes armés quand même. Ah bah voilà, on veut enfin des Français. On va leur péter la gueule, mais bon. Yeah. That you? Allez, tu caches le corps dans le tiroir du bureau. I'm here. Yeah. Je suis désolé, madame, mais That you? Let's get this over with. Je peux pas laisser un pavé d'ici parce que s'il y a quelqu'un derrière la porte, on va se faire cramer. Voilà. Ok. Oh, faut que je cache l'infirmière, moi, au fait. Oh.
C'est quand même plus prudent, on va pas se... Hein. Hop, tu mets ça dans l'armoire à côté de toi. Et ça fera l'affaire. Celle-là, tu peux la mettre dans la caisse, là. Voilà. Comme dans tous les jeux d'infiltration, il y a des caisses vides partout, évidemment. Bon. On va bientôt se faire... On va bientôt être recherché. Hein. Le premier garde, je l'ai tombé il y a déjà 3-4 tours. Il est fixe. On ne pourra pas passer par ici. Is it time to die yet? Il a l'air fixe aussi le second garde là qu'on voit, mais il a l'air d'être neutralisable. Si on passe bien sur le côté, normalement on peut le kick. C'est ballot ça, hein. Je pourrais pas cacher le cadavre à ce tour-ci. Ça y est. Ça y est, il soupçonne la faille de sécurité. Oh putain, je peux pas le neutraliser en diagonale. Oh putain. Avec un peu de bol, il sort, il tourne à gauche. Avec un peu de bol. Ah, je serre les fesses d'une force. Il bouge pas. Oh. Vous voyez, putain, le sang-froid de ces agents quand même. Il bouge vraiment, vraiment pas. Ah mais le problème c'est que de l'autre côté, le mec il est fixe. You've got company. If they spot us, we can't leave any witnesses. Ah, je suis un peu... on va repasser par l'extérieur du bâtiment. Ok. Jeez, I thought it was somebody else. Is it time to die yet?
You? Leave me alone. We're doomed. Ok, ça marche. Est-ce que je peux passer par l'extérieur sans que le gars en faction voit par la fenêtre en fait? Je suis pas sûr. Tiens, tu vois, il regarde par la fenêtre aussi. Ah. Ok. Là, je déboule ici. Puis après, je passe là. Puis on verra bien ce qui se passe là. En fait. Ouais, en passant bien par l'extérieur, ça devrait aller. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal, on va dire. Regarde, ça bouge. What's cooking? They're on to us. Shoot to kill. Quoi? C'est vrai? Oh. Ok, ok. Est-ce qu'il bouge après? Il a l'air d'être fixe. Bon. Il va falloir faire ça. Ouais, ouais. Non, oui, d'accord, d'accord. Ouais. Après, on peut pas se déplacer case par case non plus, c'est pas possible. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est pas seul. Voilà, il est pas seul. What's cooking? Oh là 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 là. Mais quel. Hein? C'est des trolls, les mecs. C'est des trolls professionnels. C'est pas possible autrement. Ok, on doit avoir... Ça doit être le moment ou jamais, là. C'est-à-dire qu'ils sont que deux dans la salle, sinon c'est des aïe. Ça a l'air d'être ok. Allez, Isaria va cacher les cadavres. Isaria, on va l'appeler le nettoyeur. Enfin, la nettoyeuse. Mais la nettoyeuse, ça fait un petit peu pseudo de Star du X. Bon, ça se passe pas mal. On a éliminé quelques gardes déjà. Eh merde, j'ai mis clic.
Je voulais mettre juste à côté, à gauche de la porte, et j'ai mis ce clic, je suis rentré dans la salle comme un gros bourrin. Mais ça s'est bien passé. Le problème, c'est de savoir combien ils sont dans la pièce. S'il est tout seul, c'est ok. Let's get this over with. Je me lance dans l'ouverture de deux pièces en même temps, c'est pas très malin. Ah, il y a un loot là, merde. On va y aller avec Hérisson. Hérisson va aller looter. Nope. Check another one. Jeez, I thought it was somebody else. Keep looking, and that's not it. Okay, ça fait deux pièces déjà. Ici, y a rien à loot a priori. On va pouvoir revenir en arrière et passer le tour. Non, faut que je m'occupe du garde, pardon. Je vous dis, le nettoyeur. On aille se faire l'agent. Hein. Pas s'il y a moyen de choper l'agent comme ça pendant la mission et d'aller l'interroger à la maison. Je le sens pas celui-là. Bolt, we found Leslie. What's left of him anyway. Good. Did you check other cavities for bonus intel? You know, Leslie once told me about a guy who had a microfilm case up his... Yeah, thanks. Got it. That's a Leslie story, all right. Alors, on continue à travailler proprement. Le mec qui garde une porte, tu sais, personne ne doit rentrer. La porte s'ouvre derrière lui. La porte s'ouvre derrière lui, il bouge pas. I've got the microfilm. Now let's make sure Aguirre stays here, where he belongs. C'est Tumulus qui doit assommer l'agent ennemi. Bon, on va pas pousser le vice, hein. on a assez de loot, on a assez de documents classés, tout ça. On va juste essayer de se barrer, et éventuellement se barrer en récupérant l'agent ennemi. Ce serait la cerise sur le McDo. Yo. J'y vais là. I'm here. Putain, mais c'est l'agent Aguirre. Je viens de percuter là. Je viens de capter Aguirre, bah oui, bah attends.
here any minute now. Et pour le coup, faut vraiment qu'on l'attrape en fait. Ouais, il arrive. Yeah. Jeez, I thought it was somebody else. J'y vais confiance. Normalement, il n'y a plus de garde dans le coin. On sait jamais. L'objectif, c'est de le tuer carrément. Mec, il est parti à l'autre bout du monde. We've got what we came for. Call for evac. I'm on my way. Le but c'est vraiment de le tuer, il n'y a pas... Ah tu vois, se débarrasser du corps, il est considéré mort. Donc là normalement je peux sortir. Vu que j'ai pas déclenché aucune alarme... Je sais pas si vous avez vu, hein, mais si je me mettais là, j'étais vraiment grillé. Et à mon avis, tu es recherché quand même. Il y a des gardes dehors là. Okay. Un tour pour l'évacuation. Vraiment très très bonne mission. Des fois vous savez j'en chie pour vous faire une mission. Équipement 5 sur 5, dossier 2 sur 3. Oh, je suis content. Alors, oh, le boucher et Zephyr. Matériaux acquis. Et on a deux nouveaux candidats, un gilet pare-balles, un fusil à pompe, un silencieux pour pistolet, ça c'est vraiment, vraiment cool. Nouvel entraînement pour Izé. There was a
last night. I think you know what I'm talking about. Une fusillade à la morgue. You're not fooling anyone anymore. Somebody saw you and your people there. Ah mais personne ne m'a vu mon gars. Murdered a group of DIA agents. They require ringing bells. No, that's impossible. They were smugglers, Fender. Big time smugglers. Well, they were also American Special Forces. The president wants heads to roll. I can prove it, Fender. I can prove they were dirty. Fine. Do it, but hurry. I can't avoid the director forever. Fender out. Équipement de nettoyage des microfilms. Déverrouille des options de déguisement supplémentaires pour des missions tactiques. D'accord. Tactique des combats. De contact, pardon, pour un peu vide. Okay. Alors, qu'est-ce que l'équipage Sinawa. Sinawa a pris du galon. Alors, en talent. Ouais, survivant. Plus de points de vie, ça c'est bon. Technique de combat. Alors, c'est qui? Ah putain. J'ai un silencieux pour pistolet, mais j'ai personne qui est spécialisé au pistolet en fait. Personne qui est spécialisé au pistolet malheureusement. Bon bah sur ce les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment rejoignez-moi sur Facebook, Discord et Twitter. Des bisous et à demain.